C'est un honneur pour nous d'accueillir aujourd'hui à l'Université Aline Diop la délégation de la Nouvelle-Aquitaine accompagnée des représentants des conseils départementaux de l'entente interdépartementale des régions de Fatick et de Diourbel. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes, notamment à M. le Président de la région Nouvelle-Aquitaine et à l'ensemble des membres de sa délégation, à la présidente du conseil départemental de Bembé, au président des conseils départementaux de Diourbel, de Mbaké, de Fatick, de Foundiougne et de Gossas, et au maire ou aux représentants du maire de la ville de Bembé. Je présente nos remerciements et exprime notre gratitude au président de la région Nouvelle-Aquitaine, au président des conseils départementaux des régions de Diourbel et de Fatick, à leurs collaborateurs respectifs, pour l'intégration de l'Université Aline Diop dans le programme des activités de cette mission institutionnelle de la région Nouvelle-Aquitaine qui séjourne au Sénégal du 18 au 24 février 2020. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre du partenariat tripartite qui lie la région française de la Nouvelle-Aquitaine, les régions sénégalaises de Fatick et de Diourbel et l'Université Aline Diop. C'est l'occasion de confirmer l'engagement de notre université et notre détermination de tout mettre en œuvre pour le renforcement, la fécondité et la durabilité de ce partenariat. Il s'agit d'un partenariat jeune, mais potentiellement fructueux, avec notamment des perspectives pouvant être développées dans les domaines de la formation et de la recherche sur les problématiques des collectivités locales ou territoriales des régions concernées par ce partenariat. Dans cette perspective, nous souhaitons inscrire la montée en puissance de l'Université Aline Diop par le renforcement de la diversification des filières, avec notamment la promotion de formations techniques et qualifiantes, comme les formations sur les métiers de la viande, de la peau et de l'agriculture, en relation avec la mission de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale ISFAR, et en adéquation avec la vocation originelle de notre université, Naguère, centre universitaire régional pour la formation au métier. Dans le même ordre d'idées, il convient de noter également l'ambition de transformer le département de l'UFR Santé, de l'UFR, le département de médecine de l'UFR Santé et Développement Durable, en UFR de médecine, condition de la création d'un CHU qui va couvrir, entre autres, les parties sénégalaises de ce partenariat dans le cadre du maillage de notre pays en structure de santé de pointe. Nous souhaitons l'accompagnement des partenaires pour réaliser cette ambition au profit des populations. Pour conclure, je souhaite que les activités de cette visite à l'université se déroulent dans de bonnes conditions et que cette mission institutionnelle de la région Nouvelle-Aquitaine au Sénégal connaisse un franc succès. Je vous remercie de votre attention.